Interpellé par une téléspectatrice sur Twitter, Cyril Ferraud a annoncé un changement dans le jeu 100% logique, la réponse est sous vos yeux, dont le prochain numéro sera diffusé ce samedi 4 mars sur France 2. Samedi 25 février, Cyril Ferraud a fait son retour aux commandes de 100% logique, la réponse est sous vos yeux sur France 2. De quoi réjouir les téléspectateurs qui avaient été conquis par le concept lors de son lancement en septembre dernier. Diffusé en prime time, ce jeu met en concurrence 100 candidats autour d'un quiz de logique et d'observation. Les participants répondent ainsi à une série de questions allant de la plus facile, celle à laquelle 95% des Français sont capables de répondre, à la plus difficile, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre. À l'issue de ce test, un seul candidat peut espérer accéder à la question finale et remporter la cagnotte pouvant grimper jusqu'à 100 000 euros. Un défi fou auquel a notamment participé Gabriel, ancien candidat de Pékin Express. Cyril Ferraud interpellé par une fan de 100% logique. Dans chaque numéro de 100% logique, Cyril Ferraud reçoit trois célébrités, qui participent elles aussi au quiz et apportent leur bonne humeur sur le plateau. Connu pour sa sympathie, l'animateur prend d'ailleurs souvent le temps d'interroger les personnalités invitées et les candidats sur leur quotidien pour les pousser à raconter quelques anecdotes. Mais ces échanges ne plaisent pas à tout le monde, comme l'a signalé une internaute à Cyril Ferraud sur Twitter, samedi dernier. Toujours trop long les interviews qui cassent le rythme. N'oubliez pas que des spectateurs regardent et les anecdotes ne sont pas hyper utiles. Merci, a écrit une téléspectatrice dans un tweet auquel celui que l'on retrouve également à la présentation de Slam s'est empressé de répondre. Il y aura 5 questions supplémentaires par émission. Soucieux de la vie du public, Cyril Ferraud a annoncé un changement dans le prochain numéro de son jeu. Diffusé ce samedi 4 mars à 21h05. Je vous ai entendu. À partir de la semaine prochaine, il y aura 5 questions supplémentaires par émission et donc on les enchaînera plus vite. Heureuse, a indiqué l'animateur télé pour le plus grand bonheur de cet internaute en colère, qui l'a ensuite remercié. Reste désormais à connaître le niveau de difficulté de ces 5 questions supplémentaires auxquelles les participants vont devoir répondre. Je vous ai entendu, visage clin d'œil, à partir de la semaine prochaine il y aura 5 questions supplémentaires par émission et donc on les enchaînera plus vite. Heureuse ? Dièse sans logique, Cyril Ferraud @ Cyril Ferraud, février 25. 2023 à lire aussi Cyril Ferraud, son doigt d'honneur à ses détracteurs au début de sa carrière avec son rôle de Cyril Gosbeau dans Fort Boyard.